matin à vous et bienvenue à la partie 4 de Bonework. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à l'épisode le plus sombre de toute cette série. Dans le fond, aujourd'hui, on est dans des égouts, puis genre... Pour vrai, l'éclairage est ridiculement bas. Genre, je suis même pas sûr que vous allez voir grand-chose. Mais pour compenser, ça va être un épisode ultra-violent où que je me bats avec un avec des couteaux, ça va être malade. Ça fait qu'on va recommencer ça de même. Là, ce qui est popé, là, c'est que je suis reposé. On n'est pas à la fin d'un live ou whatever. Fait que je pourrais péter des fucking culs. Fait que c'est ça. Si vous vous demandez pourquoi que l'épisode s'appelle, genre, l'épisode Harry Potter 5, genre, je sais pas si vous avez déjà écouté Harry Potter. Ah, mais attendez. On a une cutscene avant. You're heading to the tower to reset. I've been obsessing over the possibility for weeks. And you acted on it first. I couldn't let you think you were the only one who saw it. Alright. Fin de la cutscene. Mais non, c'est ça, je sais pas si vous avez déjà écouté genre Harry Potter 5, mais comme calisse qu'on voit rien dans ce film-là, genre, t'es noir, genre... Moi, je me rappelle comme... La première fois que j'ai vu ce film-là, genre, c'était sur une vieille TV, genre, qui est comme... T'sais, maintenant, genre, t'as comme Quantum Dark pis tout ça, pis genre, tu vois comme tout qu'est-ce qui est comme... Super méga noir, t'as genre 1 million de contrastes de noir, mais là, genre... Colin, c'est une vieille TV, on voit freaking rien, genre! Comme même moi en ce moment, là, comme... Tu sais, ça donne que comme je frappe ou qu'il y a de la lumière bleue sur les zombies. By the way, ça, c'est notre bonhomme, genre, qui devient zombifié, ça. Genre, c'est tous les essais de notre bonhomme qui a pas marché puis qui est devenu un zombie, genre... Pété sur le jus de melon d'eau. Je dis ça de même, je dis ça, je dis rien. Mais, non, c'est ça. Fait que... Checkez ça, le jeu il rush parce qu'il doit, genre faire de la lumière en dessous de mon bonhomme puis faire de l'ombre. Hey! Ah, il faudrait peut-être que je le crinque, hein, mon gun. Bon, okay, donnez-moi un instant, je vais le crinquer. Fait que... non, c'est ça, Harry Potter 5, là, tout ça pour dire que mon expérience, c'est que genre, j'ai rien compris au film, il faisait trop noir puis genre, j'étais trop jeune et con pour comprendre. Fait que, bon, prochaine affaire, on va arrêter de parler d'Harry Potter. J'espère que vous voyez bien le jeu en tant que tel. Moi, je vais m'assurer au montage d'augmenter probablement l'éclairage, mais comme moi, pour présentement, là, c'est limite. Genre, une chance, là, j'ai une flashlight. Je veux juste partager que c'est, genre, un des niveaux que j'ai détesté le plus sur mon premier playthrough. Dans le fond, t'es constamment perdu. Dans les égouts, puis genre tu vois rien, puis tu passes pas grand chose, t'es constamment perdu, puis faites pas l'erreur que je fais à chaque fois, puis juste faire comme ouais, mais je suis sûr qu'il y a un secret en arrière de ça, il y en a pas de secret, c'est le vide. Tiens, Chad, juste pour toi. Ah, j'ai ça encore dans mon inventaire. Okay. On va faire attention de pas perdre notre gun, d'abord. Ah! Call of Duty Ghost activé! Checkez ça, gars, j'suis un vrai personnage de Call of Duty. Là, on a le choix. On pourrait, genre, toutes les affronter ou être cool pis faire un jump. Moi, je dis que, genre, on les affronte toutes un à un parce qu'on est, genre, full violent. Rawr! Rawr! Attends, je vais mettre mon couteau comme du monde. Yeah. Non! Mon couteau! Je veux pas ça! Non! Ok. Ah, oh, ben, rip, hein? Ça tombe longtemps, hein? Y'a-tu un fond éventuellement? Jesus Christ! Ok, mais ça tombe, mais pas juste à moitié, ça? Bon, prise 2. Mais cette fois-ci, j'ai juste un couteau, pis genre... Si je retombe en bas, je perds tout le reste de mes armes, fait qu'on le fera pas. Coup de gun, coup d'épée. Ouais, ok, mon couteau, il est plus fun. Mon, genre, avec deux couteaux, c'était le fun, mais là... À un seul couteau, genre, j'ai plus autant de fun. À la place, on va y aller avec... avec un petit wrench. Ok. Plus de balles? Ok.
coup de gun dans la face. Yeah! Mais non, c'est ça, à part comme certaines pièces de même, je trouve qu'il se passe pas grand chose dans ce niveau-là, pis genre, le fait qu'on voit rien... Ah, oh, ok, ça sert à ça la corde, y'a quelque chose en haut. J'ai-tu pété le cadenas? Non, je vais péter le cadenas, guys. Vas-y. Ok, parfait. Non, mais, t'as mort. Ça, je me suis demandé tantôt, est-ce que je peux m'accrocher à ça au plafond? Parce que genre, j'ai vu qu'il y avait, des affaires genre cachées pis tout ça pis genre... En tout cas, j'ai perdu comme vraiment trop de temps tantôt sur ma pratique pour essayer de... trouver des affaires cachées pis genre, j'étais comme... Ouais, non, ça va tout être des affaires que je vais couper parce que genre... C'est pas des choses intéressantes pis dans le fond, genre, il se passe rien. Non. Je suis rendu pacifique, moi. Ça, posez-vous pas de questions, c'est arrivé tout seul, hein. Je suis rendu pacifique. Je suis pacifique, moi. C'est eux qui foncent dans mon couteau. Ils ont juste à pas foncer dans mes couteaux. Moi, pas de meurtre, ça. Pacifique. Moi, je fais rien, c'est... Check. C'est pas de ma faute s'ils veulent venir donner des petits becs à... Pas de ma faute, il va venir donner des petits becs à mon couteau. Chris, t'es-tu capable de marcher chez Dredd? On dirait que t'as bu plus que moi, Christy. Voyons donc. J'ai pas bu, les amis. Je suis à jeun. Genre, je me verrais pas jouer à ça, genre. Sur les influences de l'alcool. Je risque de, genre. Pas triper sur l'estomac. Oui! Je suis le roi des petits danges. Yeah! 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 Ah non, mais j'étais censé le rattraper. Là. Oh, dis, ils savent pas marcher, les pauvres petits. Check ça! Big Cat! Des nouveaux ennemis! Donc, ça, c'est les fameux casques araignées. Dans le fond, genre, c'est un casque de VR qui essaie de s'accrocher dans ta face, puis que tu peux, genre, enlever, puis là, après ça, il faut que tu y tapoches dans la face, comme ça. Genre, tu y tapoches dans son petit œil rouge. D'habitude, avec un arme, ça meurt plus vite, mais là, ça veut pas mourir, on va pogner ça. Ok, plus de batterie là-dedans. Puis on va finir celui-là, bon. Puis là, ça c'était une affaire que j'avais trouvé vraiment cool. Non, pas toi. Toi, t'es pas cool. Ça. On va finir avec eux autres, là, parce que leur bruit est vraiment gossant. Bon. Checker ça. Genre, maintenant, on peut voir dans le noir. Si je suis capable de mettre le casque dans ma face, là. On voit dans le noir, c'est malade! Ça, l'affaire, c'est que ça fait incroyablement laguer le jeu, parce que, genre... Techniquement, le casque se promène dans notre face de même. Mais c'est correct. Au moins, on voit, les amis. Fait que là, il me faut la clé. Hey, vous êtes bruyantes, les crises de mouches! C'est bouiche! Subway, guys, Subway! C'est ça que je voulais dire. Je voulais pas dire Cibois, je voulais dire Subway! Subway! Mange frais! Grâce à cette clé, nous allons ouvrir cette porte! Ah, ils ont pas fini les araignées, hein? Ok, cling! Je suis juste vraiment trop cool. Ah, non, mais c'est pas ça que je voulais. Ça, tu peux rester là. Celui-là, moi, je veux mon couteau. Ah, j'ai plus rien dans mon inventaire, ok. Puis je viens de dropper le casque, c'est super. Ah, mais il me reste ça, je suis good. Ça pour ça, finalement, genre... Moi qui fais un détour pour se guetter une affaire pour voir, genre, dans le noir, pour finalement, genre, le dropper 2 secondes après. Ouais, c'est ça. Mais mort! Ok, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est par là. Ok. Genre, je voulais éviter la porte avec un cadenas, mais ça a l'air que, genre, le jeu veut que j'aille dans la porte avec un cadenas. Y'a-tu un cadenas? Ah oui. Ok. Je le voyais pas, le cadenas. Tactical Reload! C'est moi, Call of Duty Ghost, yeah! Oh yeah!
Oh ouais, bienvenue au bout qui se passe absolument rien à part genre un loot qui fait semblant d'être un bonhomme de Call of Duty. Oh yeah! Fire! 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 Eux autres, by the way, genre, ils sont plein de jaunes de même parce que eux autres sont vraiment, vraiment concentrés en jus de melon d'eau. Ah non, mais je veux pas me battre avec vous autres, là. Non. Moi, je voulais juste, genre, monter du lore. J'ai pas envie de me battre. Yeah! Oh shit! Boss battle! Plein de monde! Yeah! Yeah! Restez loin de mon visage! Yeah! Oups, ça serait le fun que je reload comme du monde. Non! Yah! Yah! Ouah! Sont-ils en train de... Yo, il vient de s'entretuer! What the fuck? C'est bien violent, ça! Reviens-t'en, ça! C'est quoi que tu viens de faire à ton ami? Ça, là... C'est pas gentil! Fais pas ça à ton ami! J'aime que je me trouvais drôle à faire ça, mais il fait tellement noir que je suis même pas sûr que vous avez vu la joke visuelle. Pas grave. On arrive à la sortie, c'est ça qui est important. Gilly, gilly, gilly! Toi, tu t'en vas là-dedans! Non, viens-t'en. Toi, tu t'en vas là! Rentre là-dedans. Ok. Je sais pas, je trouvais ça drôle à faire. On va passer à d'autres choses, vous avez compris. Donc, fin du niveau, les amis. Enfin, ce niveau plate. C'est correct, le niveau de mercredi va être plus intéressant, là. Mais avant que toute chose, je veux juste dire que ça a clairement copié Halo 2. Genre, Halo 2, là, il y a une scène, c'est exactement ça. Si vous savez de quoi je parle, vous êtes cool. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est correct, éventuellement, on va y jouer à Halo 2. Mais c'est clairement inspiré dans Halo 2, genre quand on fait la descente, genre dans le niveau des parasites. C'est tout ce que j'avais à dire. Genre, pouvez-vous m'expliquer comment qu'on est passé, genre, de des égouts à genre une semi-ville, puis genre une warehouse? En tout cas, peu importe. Je vous souhaite une excellente semaine, ma gang de vous autres. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Puis, on se dit à mercredi. Ce niveau-là va être vraiment plus intéressant qu'une visite guidée où qu'on voit rien. Il y a même une cutscene qu'on va avoir où que, genre, je vais comme semi-écouter puis péter la TV. Fait que, sur ce, ciao! Attention à vous autres. Live de Pokémon demain soir. Puis, c'est tout!